Ingeni otas seraya. Oyaner mau ingeni wanu dos se ayatni roro ke tinohota te tom tom ne ayo karakwe ori wage. Andi jatas sawane ayatni sto zera roro ke. Amado ene kane tho tadi jatka thuni we ne ayatni ti nakwa sal. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est One Game pour Et ben pour encore une nouvelle fois Assassin's Creed 3 et on est au 9e épisode de ce jeu. Et maintenant on apprend comment on doit grimper sur les arbres et comment bien s'en servir bien évidemment. Donc là attendez, appuyez sur A dans un arbre. On veut pour grimper plus haut. Ok d'accord. Il est où là? Alors là on constate que Connor il a grandi, et bien c'est vrai. Bon voilà, c'est, je pense que c'est après 10 ans après l'incendie qui a causé Charles Lee pour son, dans son village quoi. Dans le village de Connor où il a brûlé les... Donc je disais que voilà, Charles Lee il a causé l'incendie du village de Connor. Et donc voilà, maintenant il a grandi, après 10 ans bien évidemment il doit grandir. Donc là on doit ramasser les plumes. Ouais, je pense les plumes, ouais. Ouais, pas encore. Voilà. C'est un très bon exercice si vous voulez bien apprendre comment on doit. Utiliser les arbres, comment grimper les arbres et tout ça. C'est quelque chose de nouveau dans ce Assassin's Creed 3. D'habitude, il grimpait pas les arbres, mais maintenant, si. Il est tombé dans l'eau lui. Oh le Bobby. Viens les montes. Monte. Voilà. De rien. Alors voilà, on va ramasser la plume. Attendez. Non, continuez vers la forêt. Ne touchez ni l'eau ni le sol. Eh ben non, c'est raté en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on va monter. Voilà. On a un dernier rata. Allez, assez loin. On y a aussi ici les zahas, c'est ça, c'est que tu as ya chassa d'attrege. Nexi on y a un et tu as un tjada et de nogihie. Tu as oya, wat ti na kunyanyo akta, zat kan zera. Bon, ok, d'accord. Il est assez gros et donc il veut pas monter. Il a peur de tomber et de mourir. Mais nous, on n'a pas peur parce qu'on est des assassins. Enfin, on n'est pas encore des assassins, mais on est un indien. Bon, on a un cœur brave. Brave heart. Bon, je rigole. Alors là, on va monter les rochers pour avoir cette plume. Cette fameuse plume. Je pense qu'elle appartient à... Je sais pas si ça sert à quoi. Ah oui, pour les décorations. Oui, bon. Principalement, les Indiens ils utilisaient des plumes pour décorer les habits et les sacoches et tout ça. Alors voilà. C'est joli. Quelle est jolie. Ah non! Oh non! Il est choqué lui.
Non, je suis pas mort, mais t'inquiète. Nahoda, Mais voici. D'accord, maintenant ce qu'on va faire, on va récupérer les trois plumes. Ah non, c'est déjà récupéré. En fait, je tiens à vous dire que j'ai enregistré trois fois de suite cette vidéo et donc il y avait un problème au niveau du casque. Et donc j'ai refait la même mission, voilà. Et donc là j'ai choisi dans l'option de l'ADN pour revenir à cette mission et la mission prochaine. Mais ce n'est pas très important. Donc voilà, si vous voulez voir si vous voulez prendre les autres plumes, ils sont pas trop loin. C'est facile à les récupérer. Alors là voilà, on va revoir notre ami qui il s'appelle comment? Je sais plus, j'ai oublié. Et donc il est là-bas, voilà. Ah, juste regardez, voilà, c'est un bug. Il est en train de sauter tout seul comme ça. Bon, c'est pas grave. Plume et arbre, voilà, on a réussi cette mission qui s'appelle Plume et arbre de la séquence 4. Mission accomplie. Non. Non. Ok, c'est pas grave. 100 sur 170. 70 points, ce n'est rien, ouais. Ok, d'accord. Bon. Donc voilà, on va choisir la prochaine mission qui s'appelle, je sais plus quoi, attendez, plume et arbre, leçon de chasser, oui. Évidemment, on va commencer à chasser pour la première fois dans Assassin's Creed 3. Et donc, toutes les séries d'Assassin's Creed 3, c'est la première fois qu'on chasse. Et cette fois-ci, on va chasser en votre présence pour la première fois. Ok, d'accord, on va chasser des gibiers. Alors, qu'est-ce qu'on va chasser? Des gibiers, bien évidemment. Ah oui, un lièvre. On va chasser un lapin. Il est où ce lapin? Où est-ce qu'il se cache? Ah, il est là. On va y aller doucement. On va pas lui tirer, tout simplement, voilà, en l'assassinant. On assassine des lièvres. Alors, il faut d'abord repérer un endroit où les animaux se réunissent, enterrer un point d'eau, une source de nourriture. D'accord, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, en fait, interagir avec des indices. Donc, voilà, on va savoir comment on doit poser des pièges. Et donc, attendez, on va prendre ça et on va enfoncer Y pour le mettre par terre, quoi. Pour chasser capturer des animaux tels que des lapins, des renards, des fois aussi. Et voilà. Donc, traquer un cerf dans la zone. Ok, bien évidemment, on va traquer un cerf, mais il est où ce cerf? Il faut interagir avec les indices donnés. Ils sont où les indices? J'aime bien les indices. Ils sont où les indices? Je cherche des indices. Oui. Ah, voilà. Analyse d'indices. C'est quoi ça? Je me demande bien où se trouve ce cerf. Regarde-moi cette marche arrière. Assez sympa et assez marrante. Allez, c'est Michael Jackson à l'indienne. Allez, on se cache, on va prendre notre arc et on va chasser Bombi. Bombi de retour. Bombi est là. Que va-t-on faire? On va, je sais pas où on va le tirer. Oui, ici, ouais, voilà, on va le faire. Allez, on tire, trop de vin. Ouais, voilà. Notre premier Bombi chassé en votre présence, bien évidemment. Alors, on va retourner voir les pièges qu'on a posés tout à l'heure. Eh oui, ils sont là.
Suspense. Qu'avons-nous chassé? Non, descend, c'est pas la peine de monter. On va interagir avec celui-là. Ah, un lièvre. Il est bon, les lièvres. J'aime les lièvres. Peau de lièvre, viande de lièvre. Oh, c'est bon. On va faire du barbecue avec. Alors, les amis, ce qu'on va faire maintenant, on va chasser 5 animaux. Chasser plus d'un type d'animaux. Oh, attendez. Alors, les objectifs optionnels. Chasser plus d'un type d'animaux, combiner un pas et coller pour prendre une proie, une seule, hein. Assassinat aérien sur animaux. Donc, pour la première chose, on va prendre la plus simple, hein. On va mettre de la bouffe, tout simplement. Et comme ça, et on va mettre de l'appât. Voilà, on va le poser au sol. Et on va retourner tout à l'heure pour voir notre animal. Ensuite, il nous a dit 5 animaux différents. Et chasse aérien. Ok, d'accord. Attendez. Ah non, l'appât il a été détruit par des bombilles. J'aime les bombilles. On va chasser notre première proie. Non. Ok, d'accord. Il nous faut un pistolet cette fois-ci, par contre. Donc attendez 2 secondes, on va entrer dans la zone verte. Ouais. Viens ici. Non. Elle s'est enfuie. Oh, c'est pas vrai, on va chasser un bombi là. Il est où le bombi? Ah voilà, il est là-bas. On va tirer sur le bombi. Tiens ça. Pouffon. Oh non, c'est pas vrai. Il s'est enfui. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, attendez, ce qu'on va faire là. Cette fois-ci, on va poser des collets. Attendez. On va mettre ici. Non, c'est pas possible. Bon, d'accord, hein. Comme vous voulez. On va monter sur des arbres. Ça va être plus simple, je trouve, de chasser sur les arbres, depuis les arbres, de faire un assassinat aérien. Sniff, sniff, c'est quoi ça? Ça doit être un bombi. Qui se trouve là-bas? Eh oui, c'est ton fils. Oh, c'est pas vrai, hein? On n'arrive pas à chasser, mais c'est pas possible, quoi. Oh là 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 là. Voilà, il est là-bas. On va aller doucement, on va se cacher. Il est assez loin quand même. Il est là-bas. Le Bambi. La biche, viens ma biche. Mais elle meurt pas. Bon, attendez, on va courir. Non, c'est pas vrai, elle meurt pas. Bah attendez, on va voir. Bon, oh, c'est pas vrai, hein. On est des mauvais chasseurs. Ce qu'on va faire là, j'en ai marre. On va monter. On va devenir mode furtif. On va faire comme ça. Oui, bien évidemment. On se cache comme ça. On va sauter ici. On met de la pas ou pas? On va en mettre un peu. Allez. Venez bouffer, c'est hyper bon. C'est bon. Allez, je vous attends. Ah, Bombi. Je vais chasser un Bombi, moi. Voilà. 1 sur 5. Next. Voilà. Un renard. Il est mort. Voilà, là ça commence à devenir intéressant. J'aime les renards. Surtout
Sandwich au renard, c'est hyper bon. Avec de la sauce bolognaise. Je suis fort, moi. Je suis balèze. Attendez, attendez, attendez. On monte, on peut pas monter. D'accord, c'est cool. On va faire un autre assassinat aérien. En présence de Connor. Et des lapins. Des maudits lapins. Ce qu'on va faire là. Ils ont dit 5 animaux, non, 3 animaux différents. Donc il nous reste un lapin. Bon, ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire là, on va faire comme ça. On va. Je sais pas. J'aime bien la chasse quand même. C'est assez intéressant et on apprend beaucoup de choses. Oui! Mon Dieu, c'est quoi ça? Ah, voilà. Il y a pas de... il y a des renards. On veut pas de renards, on veut un lièvre. Donc ce qu'on va faire, on va chercher un lièvre. Quelque part ici. Indice, un cerf à manger. Ok, c'est un cerf. Bon, on va chasser un cerf par contre. Allez, on court pour attraper le cerf. Attendez, je le vois pas. Ah, non, j'aime pas les cerfs. J'aime pas les biches. Allez, on revient. Dommage. Il nous faut un lapin quand même. On va chercher ce lapin, ce maudit lapin. Il se trouve où? Le Bugs Bunny là. Allez, Bugs Bunny, je te cherche. Il est où? Il y a peu de Bugs Bunny là. Bugs Bunny. Eh, ils sont où? Attendez, attendez, attendez. Non, c'est un renard. C'est pas gentil, franchement, c'est pas gentil, hein. Il me faut des bombies. Non. Pardon. Il me faut des lapins. Attendez, on va analyser l'indice par contre. Mais je pense pas que ça serait un lièvre. Mais plutôt un renard. Alors, un cerf. Ok, encore un cerf. Non, on veut pas de cerf, nous. On va voir encore des indices. Chasser plus d'un type d'animaux. Combiner un pot et coller pour prendre une proie. Assassiner à rien sur animaux. D'accord, mais la question est ici. Bon, on va mettre un collet. Bon, c'est impossible de mettre des collets ou quoi? Ou bien il faut le combiner avec de l'appât. Attendez, on va mettre un peu comme ça. On va mettre des collets ici. Non, ça marche pas. Ah, voilà, ça marche en fait. Ok, ça c'est bon. On va monter là-haut pour chasser un animal. Il n'y a pas d'animal dangereux cet endroit, mais c'est pas grave, hein. Des lapins, c'est assez bon. Non, je rigole. J'aime pas les lapins, moi. J'aime les Bugs Bunny, par contre. Oui, les Bugs Bunny, c'est gentil. C'est bon et gentil. Ils sont sympas. Ils ont des belles dents. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant. Attendez, 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 attendez. Bon, d'accord. Il y a personne qui arrive. C'est pas bien. C'est un mauvais signe. Ah, voilà. J'entends un bruit. Non, rien. D'accord. D'accord. On est des mauvais chasseurs, j'avoue. Non, attendez, attendez, attendez. Ce qu'on va faire là, on va devenir en mode furtif. Voilà. Il n'y a rien, d'accord. Bon, on va analyser l'indice, on va chasser l'animal. Kona. Qu'on va... Attendez. Non, je sais rien. Bon, attendez, attendez. Il est où? Un cerf, d'accord. On va essayer de le chasser en lui sautant dessus. Et oui, bien évidemment. Attendez, attendez. Ouais, il ne veut pas monter là. D'accord. Allez. C'est moi, connard. C'est bien. Ensuite, suivant. On va analyser d'autres animaux.
Non, pas analyse. Analyse. J'aime pas analyser des animaux, moi. On n'analyse pas des animaux. Encore, il nous reste deux autres. Par contre. Mais il y a peu d'animaux ici. Pas peu d'animaux. Ici, mais parce que, bon, je sais pas pourquoi. Principalement des cerfs et des renards, mais les lapins, il y en a très peu. Oh, c'est pas bizarre, hein, c'est bizarre. Attendez, lui, on va le choper. Comme ça. Il est où? Il est là. Espérons. Oh non, c'est un renard, c'est pas vrai. J'aime pas les renards. Mais on en a marre. On a chopé que des renards et que des cerfs. Mais des lapins, rien. Nada. Alors bon, on va chercher des lapins, bien évidemment. Bon, cette fois-ci, ça va être un lapin, je m'en fous. Oh non, c'est bloqué, c'est pas vrai. Regarde-moi ces animaux qui courent là. Oui, regarde-moi. Ah là là, c'est pas vrai. Bon, on va monter sur les arbres. Par contre, on va faire comme ça. On va chercher des lapins cette fois-ci. C'est pas bien, c'est pas gentil. On trouve pas de lapins dans cette vidéo, merde. Attendez, attendez, attendez. Ce qu'on va faire. Boum boum. Non. 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 Il y a des corbeaux, mais y a pas de lapins. On peut pas chasser des corbeaux. Non, dommage. Eh oui, c'est dommage. Attendez, attendez. Fait comme ça. Espérons que c'est pas bloqué la map. Non, c'est pas bloqué. Bon, vous savez quoi? Eh ben, vous savez rien. Yeah. On va attaquer un autre cerf. On va chasser un autre cerf. Viens ici. Allez, c'est bien. Regardez-moi comment je l'ai chassé. J'aime les cerfs. Regardez-moi comme il est bon. Regardez-moi sa tête. Ah oui, je suis cruel et je le sais et je l'avoue. Non, je rigole. Bon, voilà, on a réussi, hein. Pas de temps, je sais pas comment ça se prononce. Bon, c'est pas grave, hein. On va retourner voir Kanentokon. Et oui, il s'appelle Kanentokon, même si je le prononce pas très bien. Il s'appelle Kanentokon, je m'en tape. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Kanendogo, il s'appelle Kanendogo. Malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un... Oh, attendez, attendez. Oh non, il y a un ours. Oh, il m'a surpris. Oh non, toi, tu vas pas me bouffer, non? C'est connard. Attends, il est où? Est-ce qu'il est parti? On va le poursuivre, hein? Il est où? Il veut la peau de mon pote. Eh ben non, il va pas l'avoir. Hein. Il est où? Moi, je vais l'avoir. Moi, je m'en fous. Je suis un fou. Il est où? Il est où? Mais il est où? Moi, je vais l'avoir. Moi, je m'en fous. Hein. Il est où? Je suis un taré. Il est où? Oh, c'est pas vrai. Attendez, on va descendre un peu. Non, y a rien. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, il s'est enfui. Ah, l'ours noir s'est enfui. Ça se fait vraiment pas. Mais c'est dommage, hein. Mais de toute façon, c'était la première chasse, mission de chasse avec vous. Et c'est assez intéressant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire d'autres missions, bien évidemment, après que j'ai fini le jeu avec vous. Finalement, une fois que j'ai fini le P3 avec vous, eh ben, on va faire des vidéos détente sur, excusez-moi, sur Assassin's Creed. Et enfin, des missions de chasse ou bien des missions secondaires, mais pas beaucoup quoi. Juste une ou deux vidéos au max. Eh oui, c'est moi le professeur. C'est moi le boss ici. Ah, merde alors. Je m'étouffe. Mais merde. Oh, je rigole. Ah, oh, c'est vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, voilà, on a réussi. On revient reprendre.
Et oui, voilà. On s'est téléporté. Non, je déconne. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu, cette mission de chasse pour la première fois avec vous. Et donc, on va bien évidemment continuer à faire des missions de chasse. Enfin, une fois qu'on a fini le playthrough de ce jeu, on va faire des missions de chasse avec vous. Et bien évidemment, quoi encore? Des missions de chasse, des missions annexes, ouais. Enfin, si ça se dit, des quêtes annexes plutôt. Et voilà. Et voilà, ça va être des vidéos détente principalement. Donc j'espère que cette vidéo ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et de vous abonner bien évidemment. Et de mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse pour le prochain playthrough. Sur ce, allez, à très bientôt tout le monde.